Une autre application qui est aussi intéressante, bah, pour votre étude, notamment pour votre habitat, votre quartier, c'est d'aller voir le géoportail du Jura. Si vous allez sur le site, hein, internet Géolycée, donc, que j'ai fait, dont je vous ai déjà parlé, puis que vous allez ici sous l'onglet Lien utile, en cliquant sur Géoportail, vous allez ouvrir finalement le géoportail du canton du Jura. On peut accéder au géoportail et directement aller sur la commune qui nous intéresse, si je cherche, hein, 2900, voilà, Pré-Neuf, Port-en-Truy, c'est tout près de chez moi, comme ça j'arrive déjà, hein, pas trop loin finalement de l'endroit où j'habite. Vous voyez en fait que ce géoportail il met en évidence toutes les parcelles des maisons, d'accord, bah, qu'il existe dans toutes les communes, et vous pouvez bah, obtenir quelques informations supplémentaires à ce propos. Moi ici, ma parcelle, c'est la 3408, donc si je clique, hein, je m'approche encore un petit peu de cette parcelle, je vois que je l'ai mis en évidence, ici, hein, c'est cette parcelle ici, et qu'en allant cliquer sur ouvrir le lien, je vais trouver des informations, déjà sur la surface, et puis je vois que, si je tape le code, 607, et que je valide, ben je vois que ça appartient donc à moi-même, à mon épouse, que ça fait depuis 2007 qu'on est propriétaire, effectivement, qu'on a 962 mètres carrés, d'accord, sur cette parcelle. Donc vous obtenez aussi toute une série d'informations comme ça en cliquant sur la parcelle de votre habitat. Donc je vous invite aussi à découvrir cet outil et puis à avoir cette information supplémentaire, ça peut aussi être intéressant pour vous.